Aujourd'hui, à Xbox Gros, on a oublié de mettre la boîte de jeu. Hein? Ok. C'est bien mieux ça? Je suis même trop large pour aller l'arrêter, faut qu'on va en laisser de même. Hein? Parfait. C'est bon. À soir, on parle de. Vinci. On est avec Eric. Bonjour. Avec LP. Avec Yannick, pas avec moi. Tu veux, je me suis pas trompé dans ton nom comme la dernière fois. Non, hein? J'ai fait ça comme un grand. Ouais, ouais. Pratiquer toute la journée, Chris. Donc, c'est un jeu de Philippe. C'est un qui veut voir si il est juste site. Je le vois pas. Vas-y, dis-le. Ouais, vas-y, non, parce que quand c'est des noms fuckés, j'aime bien ça, donner le. Un jeu de Philippe Kayertz. Kayertz? Kayertz. De Philippe. De son prénom. Donc, Vinci, apogée et déclin des civilisations. Oh, regarde, toi, il en manque encore plus, oui, il est pas fou. Écoute, c'est un jeu de 1999. La boîte nous dit que c'est un 3 à 6 joueurs, mais dans les règlements, t'as un surplus pour te montrer comment jouer à 1 ou 2. Fait que, je pense qu'il aurait dû écrire de 1 à 6 finalement, là. Je comprends juste pas. Allez, gars. C'est un 14 ans et plus. C'est-tu moins ou c'est un peu exagéré, 14? Ben, peut-être que c'est un jeu qui date quand même d'une vingtaine d'années, là. Fait que peut-être qu'il est overrated. Dans le temps, les gens étaient peut-être pas aussi intelligents. Non, mais vous mettez un lien, vous autres, pour répondre? Moi, je mettrais 10 ans. Mon gars de 11 ans serait capable de jouer. Avec 10, ce serait mieux. Là, on va le laisser à 14, parce que c'est sa boîte, mais 10, ça serait mieux. Je veux dire, en même temps, c'est le même créateur que Small World. Oui, exact. Il me semble que Small World, il est pas justement 14 ans et plus. Faudrait que j'aille voir à Katimini tantôt. Là. Sauf qu'à grosseur, j'ai, quand je passe devant la caméra, il le voit, fait que ça ne soit pas à Katimini tant que ça. Ouais, c'est ça. Mais ça doit être moins que ça. L'éditeur, c'est Descartes Éditeur. Éditeur. Catégorie. Dans quoi qu'on mettrait ça? C'est un jeu de. Comment qu'il appelle ça, non? De conquête de territoire, là. Ouais. Placement. Placement de. Mais conquête, oui. Conquête. Stratégie, non? Stratégie, non? Placement de. Gestion de territoire. Ouais, placement aussi, je suis d'accord. C'est conquête et placement. On est pas pire, hein? On est tombé dessus. On est pas pire. Au moins, on a compris le jeu. Le thème, c'est que, ben, dans le fond, on va la diriger. La conquête de l'Europe. Bon, c'est ça. Ouais, on peut dire ça, mais c'est bien dit, ça. Tabarnouche, vous êtes plus réveillé que moi ce soir, hein? Non. C'est l'instinct, ça. Temps de partie, on dit 2h, 120 minutes. Êtes-vous d'accord avec ça? On a joué 2 games en 4h et 10 minutes. Ouais. Fait que ça a l'allure. Ouais. Ça a l'allure. 2h. Mais d'après moi, plus tard. Le temps doit être. C'est va suivre. Ben. Je la deuxième game était moins longue. Oui, ça c'est sûr, parce que en plus. Ça l'a fait à 90, puis on a au moins 20 minutes d'explication. À 6, peut-être ça va être plus long. Mais j'ai essayé de faire accélérer la game, mais Eric voulait juste pas mourir. Non, c'est ça, comme on dit. Préparation du jeu, ben c'est mou. C'est très facile. 5 minutes. Très facile, oui. 5 minutes, c'est préparé, c'est pas trop long. Type de joueur. On met-tu tous? Ouais. Presque tous. Ouais. Ben, regarde, mais la définition de tous, là. Ma tante Huguette, elle peut pas jouer. Pourquoi? Ben, parce que elle sera même pas intéressée. Puis, les daltoniens, ils vont pas triper fort. Ouais, daltoniens, ben, c'est pas si pire. Je vous ai pas trop achalé. Puis, quand je vous ai achalé, j'avais raison. Fait que c'est pas si pire. Ben, tu sais, je dirais peut-être intermédiaire léger, là. Je sais pas comment le dire, là. Ouais. Mais, tu sais, je disais tantôt, mon gars, il aurait pu jouer, mais il aurait peut-être trouvé ça vraiment top. Ouais, c'est quand même 2 heures. Moi, c'est ça, il y a trouvé ça. Ou long. Ouais. Donc, on y va par intermédiaire. C'est simple, mais c'est intermédiaire. C'est pas pour tous. C'est ça, c'est peut-être ça le 14 ans. Là. Ouais. Ouais, ça se peut. C'est pas la complexité, mais la tension durant 2 heures. Ouais, mais ça, puis Small World, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met des monstres. Ouais, puis je sais pas si la mécanique, quand ils ont ajouté, je sais pas si les parties sont beaucoup plus rapides ou. Non. Je pense que nous, on va faire qu'on le teste à un moment donné. Donc, intermédiaire. Ouais. C'est bon pour vous autres. Intermédiaire moins? Léger, là. Léger. Intermédiaire léger, mettons. Léger. Gagnant, mais c'est le joueur qui a le plus de points en fin de partie. Plus simple que ça. L'important du texte dans une partie, il n'y a pas de texte. Oui. Ben oui, nos cartes. Ah, mais nos ça, cartes. Oui, mais c'est pas des cartes. Ça, tu joues en allemand, tu n'as rien que besoin du carton, t'es correct. Il n'y a pas un paquet de cartes. Non, t'as pas d'autres cartes, c'est ça. À part non, mais l'important du texte, tu peux pas y mettre 0. Faut que tu mettes genre 2. OK. Bon, mais j'essaie de plus mettre de chiffres parce que vous avez chialé. Non, mais c'est parce que j'ai chialé. C'est ça. OK, fait qu'important, oui. Il y a le texte. Ouais, ça aide. Mais dans le fond, le seul texte qu'il y a, c'est sur les aides de jeu pour les petits cartons. C'est hyper important, là. Je veux dire, tu peux pas dire la seule. C'est la base de la game, tu sais. Je suis d'accord.
sans ça, t'es juste... Donc, à partir du texte, on est parti, oui? Oui. Oui, mais c'est facilement remédiable, probablement sur Internet. Ben, mais que... non, je sais même pas si... Le jeu est tellement vieux que peut-être pas. Fait que oui, ok. Parce que le hic, c'est que dans d'autres jeux, quand t'as juste des pictogrammes, c'est que le pictogramme va te dire la règle en même temps. Fait que t'as pas besoin de. Tandis que lui, ça te dit pas assez. Non, pas tant. Ok, je suis d'accord. Ça te dit pas tant, là. Fait que. Je suis d'accord. Il est tétant. Bon, on y va avec l'esthétique. Combien vous donnez sur 10? Ben, c'est laid comme la crise, puis les petits cubes sont une tape Saint-Mère solide, là. Les petits cubes, là, les. Ça, là. Ah oui, il aurait pu faire mieux. Ça, j'avoue que c'est petit, ça répète un petit peu. C'était pas fair, là. Je veux dire, LP, il arrêtait pas de dire non, il t'en manque un. Ben, je comprends, mais là, j'avais une option qui disait. Puis, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive, c'est que Chris, faut que t'es aies la vue, là, pour être capable de voir. Ouais, pour que les autres puissent la voir. C'est ça, là, tu sais. Puis, ça, c'est mal pensé. Même moi, des fois, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai encore, là, tu sais, je veux dire. C'est trop petit. C'est vrai. Je suis d'accord. Ça, puis le jaune, puis le vert qui se ressemble beaucoup trop pour un daltonien. Mmh. Donc 5. Ouais. 5? Mais tu sais, Power Grid 6.5, tu sais, je me dis que c'est un peu moins beau. Que, c'est dans les mêmes genres de Power couleurs, Grid, mais moins beau. Sincèrement, il mériterait un 4. L'esthétique pour Power Grid, c'est parce que le jeu, le jeu, il est pas beau, mais ce que tu as en surplus. Ouais. C'est solide, les maisons sont belles, ouais, les cartes qui ont de l'allure, là, tu souffres pas dessus puis ils m'ont déchiré. Okay, ça, tu le perds, t'en perds un ou là? Ben, il y a tellement de points de surplus. Avant de savoir que tu l'as perdu. Là. Faites attention, là. Tu vas t'ennuyer. Ah ouais, puis je viens de frapper ton jeu. Là, tu dis 5? 5. Ouais, pas peu près, c'est old school, là, tiens. Je dirais 4, là, je viens de le bâcher. 5, 4, 4. Moi, je donnerais 4 aussi. 4.5 sur 10, c'est bon. La chance! Écoute, il n'y a pas de chance, bâtard! Non, non, non. Je suis pas prêt à dire qu'il y a de la chance. Pas de chance. Un? Un, deux. Tu vas avoir la chance si, mettons, il faut que tu tombes en déclin puis s'il y a de la merde là, mais ça m'aime pas pour tout le monde. Ouais, mais c'est ça, tu sais, exactement. Fait que. Ben, tu vois, la seule chance, c'est peut-être, je dirais peut-être, c'est peut-être un, là, peut-être. Ouais, parce que c'est juste dans l'ordre. C'est qui commence, c'est ça, exactement. C'est dans l'ordre. Qu'est-ce que, à ton tour, il reste pour, comme choix de civilisation? Une petite affaire de chance, là. Pas grand-chose. Mettons, pour le départ, tu sais, si tu pars, mettons, comme toi, à la première game, là. En partant. Parce que j'étais bon. Non, mais en partant, t'avais déjà un très bon combo. Oui, j'avais un bon combo. C'est sûr que ça peut aider. Ouais. Quand t'arrives au quatrième, que tu sais, toi t'as pris, là, tu disais. Ah, mais non, ouais. Mais moi, deux fois de suite, j'ai eu deux fois la même. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est une bonne chance, ça. Ouais, c'est au niveau. Ah, c'est vrai, il a raison, c'est au niveau de qu'est-ce qui va sortir. Mais en même temps, ça fait que le jeu, il est jamais pareil. Non, c'est ça, mais moi, je dis la chance plus en partant. Il y en a pas tant. Moi, j'ai peut-être deux. Bon, j'ai peut-être deux pour ça, là. Deux. Moi, j'allais à un pareil. Fait qu'un. 1.5. Stratégie. Il y a quand même la stratégie, là. Oui. Moi, je donnerais un bon. Qu'est-ce que. Je mettrais un 8. Je mettrais un 9 parce que j'ai mis un à la chance. Ah, tu vois, moi je mettrais 7. Tu y vas pour le 10. Ben ouais. Ok. 7, 8, 9. Ouais. Toi, Eric. Ben, je dirais maximum 8. Hein? Fait qu'on vient avec 8. 8.5. 8.5 sur 10. Quand même, je trouve ça beaucoup par exemple. 8.5, c'est comme s'il y avait autant de stratégie à ça. Ouais, que non, moi je mettrais peut-être plus 7 parce qu'écoute, Caverna à 8.5. Ben, à 7, ça lui donne 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. 8, ça a l'allure. Simplicité et qualité du livret de règles. Moi, je donne juste un 6. C'était compliqué, il a fallu que tu le relises. Ouais, ah ouais, c'est mal écrit. Pas sûr, ouais. C'est pas super bien écrit. Puis je pense que le fait que c'est similaire à Small World, ça l'a aidé un petit peu pour bien comprendre les règles. Fait que 6 sur 10, c'est assez. Viabilité du jeu à long terme. Ben, il y en a. Ben, ça fait déjà 20 ans pour ne jouer à soir. Là. Ouais, je donnerais. C'est plus comme, est-ce que tu aurais envie de rejouer? Non, je sais. Non, mais dans le sens que... Je donnerais un 7, 7.5 certain. Ouais. Puis surtout que les games sont jamais pareils. Ouais. Tu peux avoir des combos pas pires. Ouais. Je mettrais un 7. Ouais, un 7. 7, 7. Ouais, à peu 7. Près. Tu sais, quand je dis 20 ans, pas parce que ça fait 20 ans, mais dans le sens que, tu sais, on vient de le sortir, puis on a joué avec, puis tu sais, malgré tous les jeux qu'il y a aujourd'hui, on a trouvé intéressant pareil. Fait que dans ce sens-là que, je me dis, dans 5, tu sais, plus tard, tu sais, quelqu'un va le ressortir, tu le ressors. La seule chose qui le tue, c'est Small World. Ouais, parce que c'est le même jeu, le même auteur. Fait que moi, c'est ça qui va le tuer. Là. Mais c'est pour ça, d'après moi, il n'a jamais été réédité. Ben, d'après moi, ça a été. C'est ça. C'est ça qui est rentré chez Days of Wonder.
Nuisance entre joueurs. Ah, quand même. J'ai tendance à donner... C'est pas... Non. 9, 10. Moi, j'ai rien vu. 9. Non, moi, je mettrais un 9. C'est ça le principe du jeu. C'est ça le but du jeu, là. Fait que 9 ou 10? 9. Mais bon, tu vois, je m'assassine pas. Non. Complexité du jeu. Le premier 5 minutes, après ça, c'est facile. Je mettrais un 4.5 ou un 5, j'hésite. C'est avec ça? C'est-tu plus compliqué que Carcassonne? Oui. Ben oui. 5. Okay. Fait qu'un 5, King Domino, c'est 5. Ok, je m'en traverse, moi, de King Domino. Ok, arrête de force. Bon, il crie encore après moi, là. Ouais. Fait que 5? Ouais. Moi, je dirais 5. C'est pas 5. 6. Prêt? Ben, je sais pas, là, c'est parce que je regarde les autres notes. Ben, c'est vrai, peut-être pas que je me fais aux autres notes, là, mais tu sais, comme je regarde, mettons, Agricola, Caverna, puis Power Grid, 5.5. Ça veut préparer. D'après moi. Ça, quand j'avais joué à Caverna, il me semble que c'était pas mal de intense, là, la complexité, là, mais. On l'a peut-être sous-estimé, Caverna. Parce qu'il y avait du stock en tête. Il y a beaucoup de. Mais bon. Tu je dirais, non, ben, c'est plus un Carcassonne, là. Fait que, tu sais, mettons, on va voir. Caverna, c'est pas si compliqué que ça, là. Ben, c'est parce que c'est stratégie. Ouais, mais c'est parce que c'est ta stratégie, tu sais. Ouais, mais la stratégie, c'est où est-ce que tu l'amènes, ça, c'est une autre chose. Ouais, mais tu sais, ça, c'est un peu le même principe, là, d'un sens. Mais pas compliqué. Ça, c'est plus simple. Ça, là, il est pas compliqué. Tu mets tes affaires au pays, tu seras pas bon, là. C'est plus simple que Caverna, ça, là. Non, mais Caverna, tu mets tes affaires, puis. Ben, d'après moi, Caverna, c'est qu'il a peut-être pas été. Je sais pas. C'est ça. C'est ça. C'est comme Agricola ou Caverna, c'est la même affaire, là. T'as des pièces, je joue là, je prends ça, puis c'est tout. C'est ce que où est-ce que tu vas l'amener, le jeu. Ben, c'est là qu'il y a la complexité. C'est pour moi dans le compliqué, c'est de voir la mécanique, c'est simple. C'est comprendre. C'est quand tu peux le comprendre, tu peux être pourri, mais tu vas bien le comprendre. Ben, je ne mettrais pas si complexe que ça. D'après moi, il n'est pas. Lui, je ne mettrais pas. Ben, lui, plus, pas moi, j'aurais peut-être moi. Un. Moi, c'est parce que je regarde les autres, le Bunny Kingdom, Seven Wonders. Ah ouais. Fait qu'un 4.5 peut-être. Moi, je mettrais 5. 5, 4.5. Bon, vous allez avec vous autres, 4.5. 4.5, c'est donne bon. Ça donne-tu. Je vais être fin, je vais vous le laisser à 5. Bon. Sinon, c'est 4 sur les 15. Là. Ha! Mais. Ha. En plus, pour un jeu qui a 20 ans, puis qui a été refait, tu sais, il est quand même bien balancé. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, si tu le vois à la fin, quand tu regardes, là, quand tu comptes tes points de victoire, là. Mm-hmm. On n'est pas. C'était pas si loin que ça. Non, exactement. Non, c'est que dans le fond, il faut vraiment que tu dises, OK. Ça me tente pas de jouer. Gagnant. Non, mais le gagnant, c'est 12 points par tour, puis ouais. La moyenne, c'est genre 8-10. C'est ça. Parce que, ouais, tu sais, ouais. un jeu comme ça, que justement, qui a 20 ans, là, plus de 20 ans, parce qu'on s'entend, il n'y a pas 20 ans, là, il y a que c'est 24 ans, là, le jeu. Ouais. Puis on peut comprendre que, tu sais, quand on sortait Small World, il aurait dû corriger des règles ou quoi que ce soit, puis ils n'ont pas. Ah non, c'est quasiment pareil. Là. C'est quasiment pareil. Fait que, tu sais, le jeu, il était déjà bien fait, il y a une bonne fondation, puis il est bien balancé. Là. Ça, c'est chaud. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à un jeu de même. Oui, c'est pas longtemps. Mais là, pendant que t'es parti, tu dis, Mono, t'as note sur 10? Ah, Ah, ouais. Ouais. Veux-tu passer à Kéré, que tu y passes en attendant? Ouais. Ben, moi, je suis arrêté d'y passer. Okay. LP, tu es capable? Il est dans le coin de 7 ou 8. Ouais. Ça, 7.5 entre les deux. J'hésite avant de donner un 8. Je pense que je vais donner un 7. 7? Mm. Okay. Explique, là, donne-nous de la viande un peu. Là. Ben écoute, 7 parce que j'ai vraiment du fun. Il est complexe. En fait, il n'y a pas trop de chance. Je l'ai aimé, je rejouerai. Je donne pas un 8 parce que il est long un peu. Puis, tu sais, je peux pas jouer, mettons, avec ma blonde ou avec du monde qui sont moins hot, là, genre. Fait que... On est hot, nous autres. Hein? Fait que pour cette raison, je donne un 7. Mais, tu sais, mettons qu'il serait moins long, un petit peu plus simple, je le mettrais à 8. Mais, c'était ça. Bon, en marque, on a joué 4 heures, puis on s'est pas emmerdé. Pour... Non, c'est pas emmerdé. Mais c'est encore quand je serais hâte de sortir demain. C'est juste que, mettons, pour lui donner un 8, il faudrait que, genre, je puisse l'acheter, l'amener chez nous, jouer avec ma blonde le soir. Ouais. Ou, c'est-tu plus simple de changer de blonde, rendu là, ou? Quasiment. Fait que si tu changes de blonde, tu donnes un 8, c'est ça? Ouais. Non, garde ma cousine. Donc, vous autres qui êtes prêts? Moi, y aller avec. Moi, y aller. Le jeu, comme je disais tantôt, le jeu il est bien balancé. Puis, ce qui arrive, c'est. Oui, effectivement, c'est le fun à jouer. Puis, en même temps, c'est vrai que c'est pas avec tout le monde que tu peux le jouer. Mais où est-ce que ça perd des points? Puis, c'est pour ça que j'ai de la misère à donner une note. C'est vraiment le matériel. T'sais, moi, c'est vrai que. C'est ça que j'ai trouvé vraiment plate, c'est le matériel, il est pas. Ça fait baisser énormément
la cote parce que, regarde, comme je te dis, là, j'ai pas vu l'intérieur de la boîte, là, mais. Bon, c'est ordinaire. Mais d'après moi, des cartes, c'était pas des jeux qui étaient super chers. Non, mais c'est ça. Là, tu mets des cubes, tu mets des petits cubes là-dedans, là même, puis tu t'attends à ce que ton jeu soit encore. Non, non, c'est. Okay, mais je serais curieux de voir combien ils se vendaient à l'époque. D'après moi, ils étaient pas trop chers pour la. Ben, la, c'est le ça, fun, c'est y a peut-être ça aussi. C'est peut-être ça qui fait. Mais moi, je te dirais, à cause de ça, c'est un 6. Justement, à cause des matériaux du jeu. Parce que sinon, le jeu, il est bien balancé, il est bon à jouer. À 4, c'est juste parfait. Là, parce que quand on le regarde, ça paraît pas. La map est petite. Ouais. Mais on comprend aussi pourquoi il n'est pas si gros que ça. Parce que... Ah non, puis chacun qui a ses soins autant. Puis le but, c'est de se. D'avoir de l'interaction. Fait que c'est sûr que si la marde peut être trop grande, ben là, il ne viendrait pas balancer probablement. Puis là, il y en a un qui partirait dans un coin. Puis ouais, non, c'est s'il ça. Se fait moins attaquer, ben lui, bâti, puis c'est lui qui a fait le compte, il avance. Non, c'est ça, le jeu, il est vraiment points, fun, bien balancé, bien pensé. Mais c'est vraiment les pièces qui m'ont. Tu sais, les pièces, puis le carton, là, c'est comme. Ah, ouais, c'est cheap. On va te le dire, et c'est cheap. Des... J'ai comme pas compris, y a-t-il un lien avec les couleurs? Oui, il y en a un. Il était grand quelque part, mais il y en a un. Ok, mais moi j'ai pas de. Peut-être que je recheck, là, mais il était. Ben, les jaunes, ça donne des les points. Les jaunes, ok, j'ai catché, mais là après ça, t'as ces deux-là qui sont comme. Les roses, ça donne l'attaque. C'est ça, puis là, ça doit être plus genre comme. Un militaire, okay. Un qui est plus politique. Ou, les bleus, ça donne. N'importe l'esclavage. Il était pas politique, mais bon. Les bleus, c'est tout le reste. Dans le fond, les rouges, ça a tout rapport avec l'attaque. Puis les jaunes avec les points. Alors, checker, je sais qu'il le spécifie dans les règles. Ok, mais ouais. C'est bon parce que, regarde, comme je te dis, là, les jaunes, oui, j'avais remarqué qu'il y avait un lien, mais sauf deux, là, tu sais, comme Monet, je trouvais pas que ça fitait, là. Ouais, c'est pas Claude Monet. Ouais, Monet. Mm-hmm. Ben, tu sais, moi, j'y rentre les deux, là, 6.5, là. C'est un peu pour les mêmes raisons que les deux ont dit, sauf que moi, même s'il durait 60 minutes, je pourrais pas plus l'acheter puis jouer chez nous avec mon monde, là. Bon, ben, un autre c'est le jeu de ben c'est ça, mais ben, là, vous avez changé, je pense. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est pour ça qu'on joue ensemble. C'est ça, exactement. C'est ça que j'ai joué avec vous autres. Exact. Non, mais ben, c'est ça. Mais ben, le matériel, c'est sûr que c'est un jeu de 20, presque de 25 ans. Là. Puis, c'est pas la compagnie d'édition qu'on était habitué de voir peut-être de 25 ans. Là. C'était pas une des grosses de l'époque. Là. Fait que probablement que le matériel est en conséquence. Ils faisaient des bons jeux, par exemple. Puis à l'époque, ben, t'sais, si je prends exemple la compagnie GMT, là, qui font pratiquement des jeux en anglais de style de bataille, des petits carrés de même, puis des cartes de même, ils sont forts là-dessus. Beaucoup, puis tu payes les jeux 100$. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire pour ça, là, t'sais, la qualité, t'sais, le style de matériel, tu compares les jeux d'aujourd'hui. Mais tu sais, comme tu disais, Small World, il se vend quoi, pas loin de 100$? À Star Wars, ouais. Fait que tu sais, le matériel, je m'attendrais qu'il soit pas mal différent de ce qui est là, tu sais. Fait que, mais 6.5, parce qu'effectivement, on a eu du fun. Ça s'est mis rapidement ça, en place. Si, mettons, il le vendrait encore à 30-40$. Tu sais, à 40$, t'en aurais une compétition avec Small World, c'est à peu près le même jeu. Exact. Ça vaut la peine, tu sais. À 40$, tu sais, c'est pas ça va que ce qu'on paye. Parce qu'aujourd'hui, les jeux, t'en as tellement de qualité qui sont extraordinaires. Ah, c'est sûr. Ouais, mais les Small World, en plus, je pense même plus qu'ils sont à vendre. On s'en sent quand même. Oui, il y en a plein. Y en a, c'est comme les. C'est comme les Ticket to Ride, il y en a. Un petit bout que j'ai pas vu d'extension, là, mais okay. Il est encore disponible. Là, ils sont partis sur Warcraft. Ouais, c'est Small World. Ouais, je l'ai. Qu'est-ce que on va tomber dessus. Fait que c'est ça, non, pour le même principe. Là, on est arrivé, c'est le fun, même s'il était long. C'était un peu ça sur défaut au départ. Mais, tu sais, on a eu du fun. Puis, l'interaction est quand même le fun. Là, ça crée. Tu sais, le jeu est fait pour que tu puisses te tirer un peu les oreilles. Puis, tu sais, te faire chier. Te faire chier entre les joueurs. Là. Fait que, non, c'est ça qui était le fun. Là. Ouais, t'as aimé ça de faire chier par des ben joueurs? Ouais, ben oui, c'est un peu de la game. Non, mais l'important, c'est d'avoir du fun. Là. Le reste. Oui, je l'inviterai pas en même temps que toi la prochaine fois. Ben oui, y a pas de problème. Allez, moi, je vais y aller avec un 7.5. Oh, tu l'as aimé beaucoup. J'hésite entre 7 et 7. Bon, regarde, sinon, on va lui donner 7. 7. 7, c'est assez. J'ai donné 7.5, mais t'as raison, le matériel n'est pas écœurant. Les couleurs pour un Altonier, c'est pas winner non plus. Mais le jeu comme tel, c'est un bon jeu. Je suis vraiment tenté de dire qu'il est pas bon. Puis écoute, on a joué deux games à 4h, puis on a eu du fun pendant 4h. Hein. Fait que je comprends pourquoi qu'ils l'ont réédité avec un autre nom. Avec un budget probablement différent, ouais. Qu'une maison d'édition. C'est sûr que c'est plus attrayant pour les jeunes, des orques marins, ouais. Puis des filles ouvrières, quoi que ce soit, que l'Europe. Mais ça, ça fait aussi tableau, tu sais, des années. Ça fait risque. C'est à l'époque. Là, ouais. À l'époque, les Carcassonnes, même les vieux Carcassonnes. Mais
c'est les katanes, tu sais, les couleurs, ouais, ouais. Les, ça fait ça année, année qu'à fin 90, ouais. Là. Mais ça l'a gagné aussi Je pense que c'est une bonne petite compagnie d'édition, comme tu disais, qui faisait des bons jeux à l'époque, peut-être pour des créateurs ou des nouveaux. C'est vrai que j'ai un jeu qu'on avait. Ah, la vallée des mammouths. Ouais, tu as des cartes aussi? C'était ça aussi. Non, faut qu'on le retourne. Puis le style de qualité de matériel, ça ressemblait-tu? Oh, il était mieux. Ouais, il était beaucoup mieux. Il est plus récent. C'était très bon. Ah ouais? Parce qu'on s'entend, à part le board, là, le reste, là, ça coûte pas, ça coûte rien, là, le matériel. Là. Non, c'est ça. C'est un jeu qui coûte 20-25$ à faire. Moins que ça. Je pense que aujourd'hui, avec une imprimerie. Non, aujourd'hui, ben, je parle à l'époque. Ouais, mais ça se fait même plus ici. C'est en Chine. 20-25$ en Chine, celui-là. C'est moins cher que ça. C'est un coût de 5-10$. C'est son jeu, ça. Fait que, là, 7 sur 10. C'est un bon jeu. C'est une bonne soirée pour ça. Ouais. D'autres choses à. Non. C'est parfait. Sur ce. Question, commentaire, vous pouvez le rejoindre, hein? Explique-moi le gros. Sur Facebook et YouTube. Là, c'est sur ce. Sur ce, bonne game. Yes!